5,45 euros au lieu de 27,58 euros pour ce panier moyen. Dans cette épicerie solidaire et sociale du quartier des Moulins à Nice, les adhérents peuvent bénéficier de tarifs pouvant aller jusqu'à moins 80% et trois fois par mois. Tous ces produits. En tout cas, pour la grande majorité, ils nous viennent de la banque alimentaire, mais aussi de dons de particuliers ou d'entreprises. L'association Adam propose une inscription à 10 euros pour 18 mois. Les adhérents doivent cependant répondre à certains critères établis par des assistants sociaux. Pour nous les envoyer, il faut qu'au préalable, ils vérifient ce qu'on appelle le reste à vivre. Le reste à vivre, c'est tout simplement ce qui leur reste à la fin du mois quand ils auront payé toutes leurs dépenses. Et ce reste à vivre-là doit être inférieur à 7 euros par jour et par personne. Les bénéficiaires peuvent également profiter de la partie vestimentaire de l'épicerie. Tous les vêtements vendus sont neufs. Tous les produits sont étiquetés avec des couleurs. Ici, par exemple, on est sur une couleur rose. Et la couleur rose, si je me reporte derrière à mon petit tableau, ça coûte 3 euros. En adhérent, chaque personne s'engage à participer à la vie associative, une formule qui fait recette puisque depuis la crise sanitaire, l'épicerie Adam a presque triplé son nombre d'adhérents, dépassant les 200 personnes.